Assalamu alaikum. Le mois de Ramadan approche à grands pas et on l'attend tous avec impatience. Certains l'attendent même depuis tellement longtemps qu'ils l'annoncent plus de 3 mois en avance. Et sur internet, on peut trouver tout et n'importe quoi à la fois. Du coup, chez Jannah TV, on s'est dit qu'on allait analyser tout ce qui se passe autour de ce mois béni. Et entre faux hadiths et sites douteux, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bid'a autour de cet événement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous êtes susceptible de découvrir des erreurs que vous ou vos proches êtes susceptibles d'avoir commis. Et pour bien prévenir tout le monde, n'hésitez pas à partager autour de vous, c'est extrêmement important de répandre la vérité dans le cœur des croyants. Je suis Riyad et avec le professeur Zakaria, on vous a préparé une petite enquête sur 3 phénomènes à ne pas reproduire en attendant le Ramadan. Numéro 1, répandre ce fameux mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si comme moi tu t'es déjà baladé sur les réseaux quelques mois avant le Ramadan, t'es très certainement tombé sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Si l'un d'entre vous informe un autre sur le mois du Ramadan en premier, l'enfer et le feu deviendra haram pour cette personne. » Puis la personne ajoute « J'ai fait mon devoir en vous faisant parvenir celui-ci. Je vous prie donc que vous fassiez de même en le transmettant aux autres. Puisse Allah, le Tout-Puissant, faire du feu infernal haram pour nous tous. » Curieux comme j'étais, je suis parti voir ce que je pouvais trouver sur le sujet et à ma grande surprise, il n'y a aucun site fiable qui relatait un tel hadith. J'ai donc fait appel au professeur Zakaria qui s'y connaît bien et je lui ai demandé ce qu'il en a pensé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, j'espère que tu vas bien. Alors non, ce hadith n'est pas authentique. Il est même mensonger. On appelle ça un hadith maudou'. En revanche, si tu veux un hadith authentique concernant les bienfaits du mois du Ramadan, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en attendant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Effectivement, il est très grave de partager des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. D'ailleurs, il nous avertit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Comme tu vois, c'est quelque chose de très dangereux. Bien sûr qu'il peut se repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux, pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Qala Allahu Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Barakallahu fik, cher professeur. Du coup, si vous voyez ce hadith circuler dans des groupes sur Facebook ou ailleurs sur les réseaux, eh bien, sachez tout d'abord que le signaler ne servira à rien, car il n'enfreint pas les droits d'utilisateur. À la place, tentez de prévenir en privé celui qui l'a partagé en lui faisant un rappel de la meilleure manière, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, n'hésitez pas à lui partager directement cette vidéo pour lui mentionner des preuves à l'appui. Deuxième point, oubliez les mois sacrés. Après avoir trouvé ce hadith, je me suis un peu baladé sur internet et j'ai trouvé un site qui parlait du mois de Rajab. C'est le mois qui précède le mois de Sha'ban, qui lui-même précède le mois de Ramadan. Et j'ai lu qu'il s'agissait d'un mois sacré. Puis je me suis posé quelques questions, comme déjà existe-t-il d'autres mois sacrés que le mois de Rajab, et si oui, quelles sont leurs récompenses? Un mois sacré, mon frère, c'est très simple. C'est un mois dans lequel les bonnes actions sont meilleures et les mauvaises actions sont plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » lorsqu'il a parlé de ces mois. D'ailleurs, les Arabes dans la période pré-islamique délaissaient le combat et les querelles qu'ils avaient entre eux pendant ces mois-là. Et ces mois sont de 4, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran. Pendant le mois de Rajab, ils accomplissaient le petit pèlerinage qu'on appelle Al-Umrah. Pendant le mois de Dhul-Qi'da, c'était le mois dans lequel ils se dirigeaient vers la Mecque. Le mois de Zulhijjah était le mois dans lequel ils accomplissaient le Hajj. Et le mois de Muharram, c'était le mois qui leur permettait de revenir chez eux en paix. En ce qui concerne les adorations particulières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu faire pendant ces mois sacrés, les ahadiths et les traditions prophétiques que nous avons là-dessus sont faibles pour la plupart. Il faut simplement s'éloigner un maximum des péchés et faire le maximum de bonnes actions. Il n'y a pas de jeûne particulier à faire, il n'y a pas de prière nocturne particulière à faire, ni quoi que ce soit. Mis à part les 10 premiers jours, comme tu sais, de Zilhijjah. Mais dis-moi, où as-tu appris l'existence de ces mois? Barakallahu fik, cher professeur. Et c'est super que tu me poses la question parce qu'on va passer au troisième point, ne pas vérifier ses sources. En tapant mois de Rajab sur Google, je suis tombé sur le tout premier site proposé qui explique de façon structurée les choses à faire durant ce mois sacré. Mais j'ai eu un petit problème. J'avais constaté des sciences que j'avais jamais vues ailleurs dans notre communauté. Dans ce site, j'ai remarqué que les références mentionnées n'étaient jamais celles que nous connaissons habituellement, comme par exemple Bukhari, Muslim ou même Abu Huraira. Du coup, professeur, qu'est-ce que ça signifie? Le site dans lequel tu es tombé, mon frère, est un site qui s'affilie au chiisme, malheureusement. Et plus particulièrement,
une secte qu'on appelle Al-Imamiyya ou Al-Isnay Ashariyya. Et les références qui sont citées ne sont pas des références connues pour leur authenticité. Iqbal al-A'mal, Mafatih al-Jinan. Ce sont des livres de traditions mensongères que soi-disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dites. Subhanallah, heureusement que tu m'as éclairé. C'est vrai qu'en cherchant un peu derrière ce site, j'avais trouvé des preuves qu'il était 100% chiite, comme par exemple sur ce screen, où il critique clairement le compagnon Omar radiallahu anhu, en prétendant qu'il donnait son avis personnel au lieu de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en le contredisant, ce qui est bien évidemment faux. Il est très dangereux de suivre ces sectes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout égarement est voué au feu. Vous voyez, chers frères et sœurs, si j'avais suivi ce site sans qu'on m'avertisse, je serais tombé dans l'innovation, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, toute innovation est au feu. Et sachez que ce site n'en est pas à son premier coup d'essai. En analysant ces statistiques, on se rend compte qu'il y a jusqu'à 10 000 visites par mois. 10 000 personnes le visitent donc chaque mois. Vous vous rendez compte? Il se peut même que vos parents, vos proches, votre frère ou votre sœur soient tombés dessus et l'ont peut-être même partagé sans s'en rendre compte. Donc si vous voulez nous aider à délier le vrai du faux, on a fait un thread sur notre compte Twitter qui va mettre en avant le lien de ce site et de ses égarements. Le lien est en description et je compte sur vous pour le partager au maximum. Il faut être extrêmement vigilant avec les sources qui concernent notre religion, c'est vraiment important. Et je finirai avec cette parole très connue de l'imam Ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion, rahimahullah. En ce moment sur Jannah TV, on commence à produire des nouveaux formats de vidéos et on voudrait avoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des retours à nous transmettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir de les lire. Et avec Zakaria, on a fait une vidéo pour vous apprendre comment vous préparer avant le mois de Ramadan. Mais pour convaincre les frères de Jannah TV, on aura besoin de vous. Il faut réunir plus de 5000 likes pour leur prouver que le sujet est intéressant et qu'il est vraiment important à aborder. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Barakallahu fikum à tous, merci d'avoir suivi, c'était Riyad pour Jannah TV et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.